Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Chef Mick Élisée. Alors aujourd'hui, je viens avec quelque chose de très spécial. Une recette à base de mil. Le mil qui est une céréale qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Celle-là, elle vient du Mali. Elle est très riche en fer, zinc. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette très simple, très rapide. On va l'utiliser en façon risotto. Donc en fait, du coup, on y mettra un peu de tomates, on mettra du poivron, du gingembre, tous les produits qui vont bien pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, ne pas oublier les herbes fraîches. Je mettrai un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Des jolies tomates aussi. Et après, les oignons vont aussi aller dedans. Donc je fais revenir tout ça, tout doucement, tout gentiment. Le basilic, on le met juste grossièrement comme ça. Voilà, l'ail qui va bien. Tout simplement comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de mil dedans. Ça sera pour épaissir la pâte. On va y mettre un peu de concentré de tomates. Si vous voulez pas que le piment pique beaucoup, on enlève les seeds. Le piment, c'est parfait. Je vais mettre un peu d'eau, une dizaine de minutes. On va la passer au mixeur. Poivron. Voilà. Un peu de sel et un peu de poivre. Ça, ça fait penser à la cuisine de ma grand-mère. Je vais prendre un peu de gingembre. Et là, cette fois-ci, je vais le piler. Mixeur. Ça sera de mettre un peu d'huile. Voilà. Alors là, tout est prêt. J'ai mon risotto. Vous voyez comment il est un peu pâteux, un peu crémeux en fait. C'est le fait de le mélanger. Une fois que j'ai fait mixer toute la sauce là, alors je fais revenir. N'ai pas peur de shaker, hein, s'il faut bouger, c'est pas grave. Plus on bouge, mieux c'est. Et voilà. Donc ça fait rentrer de l'air. Donc ça devient crémeux et ça devient très onctueux. Ce qui fait l'effet risotto. Et le piment va donner le bon kick. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pléter, comme on le dit en jargon cuisine de chef. Donc, mettre sur l'assiette. C'est très simple. Important dans un plat, les couleurs, les formes. Un peu partout, en fait. La petite roquette, c'est des herbes. Dans le cercle, pardon. Voilà. Voilà. Alors là, c'est le moment de la vérité. Je reçois ma très chère amie Coralie Dio de Ultimate Matchmaker qui va venir vous tester ce bon plat de mil et petits fruits de mer. Hey, bonjour Coralie, ça va? Bien. Mouah. Oui, ça va. Alors, le petit plat de mil là, que j'ai fait, j'espère que tu vas aimer. Test et tu me dis. Oui, j'ai enjoy. Merci. Oh. Oh, voilà. J'adore. C'est ce que j'adore, tu vois. J'adore le goût de citron vert et de mil. Oh, yes. Super. C'est bon. Alors, pour une personne qui n'a jamais goûté le mil, en tout cas, elle est aux anges. Alors, je demande à tout le monde de faire des recettes à base de mil. Allez, bye bye.